Allez, salut, salut les gars, voilà, je suis de retour et c'est toujours bon de savoir ce putain. Et vous êtes sur la chaîne de Monsieur le Russe 225. Pour tous ceux qui viennent juste de voir la vidéo, essayez de me donner un pouce bleu. D'abord, essayez de liker la vidéo avant de pouvoir, avant de commencer à suivre cette vidéo-là. Voilà, et pour ceux qui viennent juste de me connaître, essayez de vous abonner sur ma chaîne YouTube parce que ici, il donne des informations sur les bourses et on aide aussi à les postuler. Voilà, donc comme vous le voyez là, c'est la bourse de Chine. J'avais déjà mis l'introduction comme une première vidéo et cette fois-ci c'est la seconde vidéo qui est là. C'est pour l'université de Shandong. Voilà, en ce qui concerne la bourse de Chine, je peux naviguer un peu sur leur site, mais concernant les autres bourses en Europe, c'est un peu compliqué. Voilà, malgré que j'ai essayé comme ça de changer les d'avoir un nouveau VPN par rapport à une nouvelle localisation. Malgré cela, on a toujours des problèmes pour pouvoir naviguer aisément sur le site. Donc, pour cette vidéo-là, je vais essayer comme ça de vous montrer un peu comment s'enregistrer et puis comment essayer de postuler à cette bourse de l'université de Shandong. Donc, sachez que c'est une bourse de Chine. Pour ceux qui viennent de voir la vidéo, c'est une bourse de la Chine. Voilà. J'ai essayé comme ça de donner des explications un peu dans l'autre vidéo, la vidéo précédente. Pour ceux qui veulent aller voir la vidéo précédente, allez-y là-haut voir. Vous allez voir, vous allez comprendre un peu comment ça fonctionne avant de suivre cette vidéo-là. Voilà, donc n'oubliez pas, pour cette vidéo-là, je vais essayer de faire quoi? D'abord m'enregistrer et ensuite chercher à postuler. Donc, pour pouvoir s'enregistrer, soit si vous voulez, vous cliquez directement ici. Voilà, pour vous enregistrer, ou bien vous venez là, Online Application. Ouais, c'est là-bas que vous allez tout faire. Donc, vous venez là et puis vous vous enregistrez. Maintenant, ceux qui sont déjà enregistrés vont utiliser directement ce qui est là. Maintenant, nous qui sommes déjà nouveaux, si vous n'avez pas de compte, alors on va s'enregistrer ici. Vous comprenez? Donc on va cliquer sur register. Mais avant de pouvoir cliquer sur register, sachez que c'est une bourse qui concerne la licence, le master et le doctorat. Et si vous voulez faire la licence, il faudra avoir moins de 25 ans. Et le master, c'est moins de 35 ans. Et le doctorat, moins de 45 ans. Moins de 40 ans, 45 ans. Voilà. Donc, c'est à vous de voir. De toutes les façons, vous allez voir ça sur le site, donc avec les documents dont vous avez besoin pour pouvoir postuler à cette bourse là. Voilà, c'est une bourse classique et il y a comme ça trois, je vais dire comme ça, trois types de bourses. Il y a une bourse qui sera entière, il y a une bourse qui sera à moitié et il y a une bourse qui va rouler par entre 20% et 30%. Donc cela va dépendre de quoi? De la qualité de votre dossier. Donc, on va aller rapidement. Je vais cliquer sur register. Là-bas, on va s'enregistrer et puis on va essayer néanmoins de postuler à la bourse pour ne pas perdre le temps. Donc, ici, par exemple, comme ça, on dit You are suggested to create your account with email services other than Gmail and Yahoo Mail in case you cannot receive your activation email, your notification email. Donc, on vous dit comme ça de mettre les mails. Le mail avec Yahoo ou bien Gmail. Voilà, donc ça sera à vous de voir. Donc moi, le mail que je vais utiliser ici, je vais toujours prendre mon clavier virtuel. Le mail que je vais utiliser, c'est le mail que j'utilise pour les bourses. C'est quoi? Ici, voilà, c'est le mail qui est là, mon bourse et tout ça. Donc vous allez mettre le numéro de votre passeport. Donc, en ce qui concerne le numéro de passeport, je vais utiliser comme ça un numéro quelconque. Voilà, je vais mettre le numéro d'un passeport. Ok, après cela, je vais prendre comme ça un password. Voilà, je vais utiliser un password. Je vais prendre, je vais commencer par une lettre majuscule. Ici, je vais prendre par exemple comme ça. Ok, confirmation du password. Ok, donc une fois que ça apparaît en vert, ça veut dire que ça va. Et ici, je vais prendre comme ça, je vais choisir mon pays.
Si je viens de la Côte d'Ivoire, je prends Côte d'Ivoire. Si je viens du Costa Rica, vous prenez Costa Rica. Côte d'Ivoire est là. Ok. Donc, code de vérification. Ici, quel est le code? Je crois que c'est 6154. On va essayer comme ça pour voir 6154. Ok, donc après cela, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de s'enregistrer. Si ça ne passe pas, s'il y a un souci, ils vont vous dire qu'il y a un souci. Voilà. Ok, donc le système has sent a verified email. Donc ici, c'est comme d'habitude. On me dit que j'ai reçu un mail. Donc on va aller comme ça voir dans ma boîte mail le mail que j'ai reçu. Vous allez cliquer dessus pour confirmer votre email afin de revenir ici et faire quoi? Et chercher à continuer. Donc on va aller rapidement dans ma boîte mail. Ainsi, on va, s'il y a un message là-bas, on va avoir ce message et puis on va confirmer. Alors donc quand on vient là, qu'est-ce qu'on voit? Ici, quand on clique là, voilà, je crois que c'est ici. Donc voilà, ici c'est admission EduCN website provider for your best during activate, click the button to activate or the copy links. Ici, donc ici c'est Chandom, voilà Chandom University. Donc qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez cliquer là ou bien vous allez activer ici. Click the button below to activate your account. Donc vous allez cliquer ici, soit vous cliquez là, ou bien vous cliquez sur le lien qui est là. Donc on va cliquer là pour que ça puisse aller un peu plus vite. Donc une fois que vous cliquez là, vous faites une confirmation, ils vont vous renvoyer sur le site directement. Et de là-bas, vous allez commencer. Voilà, congratulations. Voilà, vous avez activé votre compte. Et c'est en ce moment-là que vous allez cliquer sur continue. Et pour aller un peu sur la plateforme, voilà, remplir vos éléments et aussi essayer de postuler. Donc, une fois que vous arrivez là, qu'est-ce que vous faites? Vous cliquez sur My Application. Voilà. Donc, vous cliquez sur My Application et de là, à partir de cet instant-là, vous commencez maintenant à faire quoi? À faire votre remplissage. Vous allez finir là, vous allez faire là, tout ce qui est là. Et après cela, vous allez arriver là, c'est pas encore fini. Et après cela, vous allez maintenant chercher à postuler à la bourse qui est là. Voici les informations qui se présentent là. Ok, donc c'est déjà une bonne chose. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vais faire une seconde vidéo pour vous montrer un peu comment ça se passe et puis comment est-ce qu'on fait pour les postuler. Donc pour pouvoir les postuler, n'oubliez pas, vous pouvez venir là et puis apply now et c'est tout. Donc lisez aussi les éléments qui sont là. Voilà. Et une fois que c'est bon, si vous avez des soucis, vous pouvez écrire en commentaire, je vais essayer de vous répondre. Voilà. Maintenant, pour ceux qui peuvent m'attendre, alors vous pouvez m'attendre aussi. Je vais faire une seconde vidéo pour que vous puissiez au moins postuler. Ok, donc à plus les gars, en même temps, à tout à l'heure.